Alors nous sommes ici sur le stand de la société L'Écuée qui conçoit des produits simples et ingénieux. J'ai entre les mains un presse-citron que nous allons voir avec Didier Arnaud qui est chef consultant chez L'Écuée. Un presse-citron qui est simple mais très très ingénieux. Absolument, très ingénieux. Regardez, donc ça va être simple, on va sectionner la base comme ceci. Là, comme un tire-bouchon à l'inverse, eh bien, on va l'enfoncer à l'intérieur du citron. Tout simplement, on va le masser légèrement comme ceci, vous voyez. Et là, on va en extraire en fait, voilà, le jus. Alors ça va nous permettre de quoi? De pouvoir assaisonner nos salades, un temps voulu, les huîtres notamment, le saumon. Hein, donc ça c'est parfait là-dessus. Voilà donc un petit peu, donc on peut rajouter citron vert, bien sûr, citron jaune et ensuite d'autres agrumes hein, pour aller donc mettre quelques saveurs supplémentaires dans des salades. Là, j'ai entre les mains un second objet qui s'appelle My Burger et qui est un objet fait pour confectionner des hamburgers et aussi les moulets. Les moulets, bien sûr. Explication. Alors, explication, eh bien, écoutez, bon, tout simplement, on va pouvoir customiser, on peut appeler ça comme ça, hein, donc nos hamburgers. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fait, hacher de la volaille de surcroît, c'est ce que je vais réaliser directement. Donc, on va pouvoir l'assaisonner à son gré. Et ensuite, donc, soit en gérant, en fait, convenablement, on pourra faire un steak haché de 100 grammes, 200 grammes, beaucoup plus petit, en fait, on va pouvoir faire de 25 grammes et 50 grammes. D'accord? Alors, le gros avantage qu'il va y avoir, eh bien, l'astuce, c'est que je vais pouvoir, hein, on va pouvoir réaliser un petit trou comme ceci à l'intérieur, on va pouvoir mettre du fromage, on va pouvoir mettre bon, des herbes à l'intérieur, on va pouvoir mettre des légumes en fait que les enfants, bon, généralement, eh bien, ils n'aiment pas trop, hein, globalement. Là, ça va permettre réellement de vraiment faire des steaks hachés qui vont être vraiment agréables, bon, et justement au goût de chacun. Ça fait manger des légumes aux enfants, ça ouvre de nombreuses perspectives pour celui qui sait être inventif, et c'est encore une fois un objet très simple. Absolument. De conception et très ingénieux. Absolument, on a voulu quelque chose de tout relativement simple, quelque chose qui est manipulable à souhait, quelque chose qui vraiment, bon, voilà, on n'a pas une grosse machine qui est là face à nous, hein, et donc ça permet de pouvoir réaliser tous les jours, plus ou moins, en disant, voilà, je vais réaliser mon steak haché de telle et telle manière. Didier, merci beaucoup. Je vous en prie, à très bientôt.